Bonjour et bienvenue sur Caradisiaque. Aujourd'hui, nous avons fait le déplacement jusqu'à Offenbach en Allemagne, au siège de Hyundai Europe, pour la présentation en avant-première mondiale de sa nouvelle berline, la i40. Il nous la présente d'abord en version wagon, comprenez en version break, avant la version berline qui arrivera plus tôt en fin d'année. Vous l'aviez déjà découverte en image sur Caradisiaque. Bah écoutez, en vrai, finalement, ça se confirme, surtout au niveau du design, un design dynamique, un design moderne, qui roule un petit peu avec ce qu'on a pu connaître sur les anciennes Hyundai. La Hyundai i40 va être proposée avec 4 motorisations, 2 moteurs essence, un 1,6 litre de 135 chevaux et un 2 litres de 177 chevaux. Et surtout pour la France, ce qui nous intéresse, 2 motorisations diesel qui se basent sur le même 1,7 litre. Le premier avec une puissance de 115 chevaux, le deuxième avec une puissance de 136 chevaux qui a priori fera le gros des ventes en France. Au niveau du volume de coffre, Hyundai annonce un tout petit peu plus de 550 litres, ce qui place la i40 version wagon exactement dans la moyenne de la catégorie. En tout cas, le coffre est assez carré, assez rectiligne et un petit peu modulable avec ce système, vous voyez, pour le compartimenter et qui coulisse sur des rails. Voilà, on peut choisir de placer ses bagages devant, derrière, c'est assez pratique. Dans l'habitacle, on découvre une planche de bord qui est très agréablement dessinée, qui bénéficie de matériaux qui sont, somme toute, d'assez bonne facture et qui ont l'air très bien assemblés. On dispose aussi de séries et évidemment, si on rajoute des options, d'un équipement qui peut être très fourni avec un GPS à commande vocale, un système Bluetooth à commande vocale, des radars de recul à l'avant et à l'arrière. On peut avoir des sièges ventilés, on peut avoir par exemple un volant chauffant. Donc un équipement qui est plutôt premium, ce qui est nouveau chez Hyundai et c'est un petit peu comme ça qu'ils veulent se positionner d'ailleurs. Finalement, la présentation statique de cette nouvelle Hyundai i40 nous laisse sur de bonnes impressions. C'est une voiture que vous pourrez découvrir au Salon de Genève à partir du 3 mars, si vous vous y rendez, et que vous pourrez commander à partir du mois de juin. Elle est garantie 5 ans, comme toutes les nouvelles Hyundai, 5 ans de garantie, 5 ans d'assistance, 5 ans de vérification gratuite sur le véhicule. Au niveau des prix, rien n'a filtré pour l'instant. On imagine que les tarifs vont être relativement serrés, comme d'habitude chez Hyundai, mais peut-être un petit peu moins. Il faut dire que monter en gamme signifie aussi un petit peu monter en prix.